tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc toujours le vendredi 22 septembre. Donc on se retrouve pour un petit unboxing Action. Donc je suis allée faire un tour à Action ce matin. Et donc je me suis procuré 2-3 petites choses. Donc ça y est, nous avons reçu donc les DP de Noël. Ils sont tous arrivés. L'ancienne collection de DP avec les pandas... le dauphin, tout ça, il n'y a déjà plus rien. Il ne reste que le château, je crois, je ne sais plus. Mais tout le reste, il n'y a plus rien. Les cartes de Noël, eh bien, il n'y en a déjà plus. Les petites lampes, les petites loupiottes, les petites veilleuses à diamanter. Moi, j'étais très intéressée par celle avec la maison en pain d'épices. Eh bien, il n'y en avait plus non plus. Par contre, il restait toutes les autres. Donc, il y avait quoi? Il y avait des petites cloches, il y avait un Père Noël, et je sais plus. Mais il restait toutes les autres, sauf celles que je voulais. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave, hein. Peut-être qu'ils en remettront, ce qui m'étonnerait fort, mais bon. En tout cas, j'étais plus qu'intéressée par les cartes de Noël, et bah, il y en avait déjà plus. Donc, du coup, j'ai fait d'autres emplettes. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de ce petit ornement que ma grand-mère donc, m'a donné. Elle ne savait pas quoi en faire, donc du coup, ben, c'est atterri à la maison, donc je voulais le customiser. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Et donc, j'ai trouvé dans le rayon enfant cette peinture. Donc, le vert me plaisait bien parce que, voilà, c'est quand même couleur sapin. Donc, ben, écoutez, 0,89 centimes, hein, quand même, il y en a pas mal. Ben, écoutez, je vais le peindre recto verso. Et puis, une fois qu'il sera bien sec, bah, je le diamanterai, je vais le décorer et je vais voir ce que j'en fais. Voilà, voilà. Donc, cette peinture-ci, c'est pour mon petit sapin là. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris, avait partagé à Catherine donc, une promo sur la pâte polymère. Donc, écoutez, j'ai réussi à la trouver aussi. Il y en avait quand même pas mal. Donc, je m'en suis procuré une boîte. La voici. Franchement, les couleurs, elles sont tip-top. Écoutez, on va l'ouvrir. Karine, n'importe quoi. Catherine l'a présentée aussi sur sa chaîne, du coup. Voilà. Et voilà. Enfin, comme en ce moment, la folie des stylés a repris. Donc, voilà. Écoutez, moi, je vais vous baisser parce que sinon, vous n'allez rien voir. Et c'est pas le but. Donc voilà, vous avez deux encoches, un sur le côté, avec deux petits trucs pour les rattacher. Ça se présente comme ça. Donc, hop, soit vous en ouvrez qu'un, vous en ouvrez deux, comme vous voulez. Vous avez une petite anse, le petit couvercle, super. Et ensuite, la boîte, une fois qu'elle est vide, elle peut être recyclée pour mettre autre chose, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, voici les couleurs, hein, qui sont vraiment très, très pétantes de ce côté-ci, franchement. Oh, nickel. Donc ici, vous avez des couleurs un peu plus pastel. Donc, pour des couleurs plus douces, pour faire des stylés, c'est génial. Et ça part vite, hein. Donc, c'est la même présentation que les pâtes polymères que l'on trouve par 4 à 1,18€. Voilà. Donc, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du rose pétant. Là, il y a du fuchsia. Vous avez du vert, violet, bleu. Ici, on a du noir, du gris. Là, on atterrit dans des nuances de bleu. Ici, on a c'est un petit marron camel ici. Ensuite, on a un lavande ici. On arrive dans les roses. On a un blanc et puis des blancs cassés. Là, un peu, là c'est un peu vert menthe, mais très, très clair. Et ici, un blanc cassé. Donc, voilà, il y a de quoi s'occuper. Et il y a une petite notice avec et des ustensiles pour travailler vos pâtes. Donc, il y a une espèce de truc comme ça. Là, c'est un petit couteau. Il y en a quand même 6, hein, des ustensiles, c'est pas mal. Donc là, vous avez une petite raclette dentelée. Ici, ben vous avez une espèce de petit couteau, peut-être pour faire des découpes nettes. Alors ça, je ne sais pas pour c'est quoi faire. Je ne sais pas, peut-être pour faire des motifs, faire des petits trous, je ne sais pas. Ça, c'est pareil, je ne sais pas.
faudrait peut-être qu'on j'aille me documenter, voir sur des vidéos ou autres, des personnes qui font de la pâte polymère et qui savent à quoi servent certains ustensiles. Ici, c'est pas noté. C'est juste. Ouais, c'est juste par rapport à la température du four. Donc, c'est entre 120 et 130 pendant 10 à 15 minutes. Vous voyez, ici. Voilà. Avec de la laque. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait mettre de la laque. On peut éventuellement encore ajouter une touche finale avec de la laque ou de la peinture acrylique. De la peinture quoi ça? C'est de la gouache, donc non. Il faut acheter de la peinture acrylique. Ah ouais? Je savais même pas qu'on pouvait mettre de la laque. Ben voilà. Donc voilà ma petite trouvaille, donc au prix de 4,99€. Donc ben, j'ai saisi l'occasion, il y en avait, j'en ai pris. Voilà. Ensuite, ils ont ressorti donc une nouvelle collection de DP en forme panorama. Donc, ce sont des DP en diamant rond de dimension 75 par 25. Ils étaient en train de les mettre en rayon quand moi, je suis arrivée dans le magasin. Donc, pour ne pas louper l'occasion, je suis restée devant le rayon comme une cruche, à attendre que la dame finisse de les poser en rayon. Et du coup, il y avait 4 modèles. Donc, il y a un paysage africain. Vous avez les cascades. Vous avez aussi un paysage marin et des chevaux. Donc, paysage marin et chevaux, j'ai pas pris. Ils m'ont pas botté plus que ça. En plus, là, j'ai la tortue, je vais avoir le dauphin et tout. Donc, en paysage sous-marin, j'ai largement ce qu'il me faut. Mais voilà, j'ai craqué donc pour ces deux modèles. Donc, pour celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc, ce sont des DP qui sont vendus 3,99€. Mais écoutez, on va les ouvrir et on va regarder comment ça se présente. Hop, j'enlève les petits scotch. Voilà. Donc, hop, mon cutter, pas que je le perde. Donc, vous voyez, hein, il se présente donc, en paquet comme ça. Et là, vous avez une petite anse donc, pour les attraper. Vous voyez? Mais bon, je vous bouge dans tous les sens, mes pauvres. On va y arriver, on va y arriver. Donc, écoutez, moi, j'ai ouvert au derrière. Comme ça, je vais les remettre après correctement. Alors, voyons un petit peu comment ça se présente. Ils sont bien pliés. Donc, on a les diamants, hein. Le toolkit de base. Ah, ils ont remis de la colle rose cette fois. Donc, nous avons toujours la petite fiche explicative avec le DP et la photo donc, qui fait référence au DP. Les couleurs de vos diamants, les symboles qui y correspondent. Donc là, du coup, nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fois 3. Nous avons 30 couleurs pour ce DP. Hop. Donc, on va regarder le DP. Oh là là, oui, effectivement. Donc, c'est à 70, un 75 par 25. Donc, taille réelle. Hein, vous savez que chez Action, les tailles indiquées sur les boîtes de DP sont les vraies. Donc, alors, je vais vous poster comme ça. Tac. Donc, voilà. Voilà, voilà. Avec les petites girafes en fond. Donc, il y aura certainement, vu le DP, du rouge, du orange, un petit peu de jaune, beaucoup de violet. Et certainement du brun ou du noir pour les arbres. Voilà, il est très beau ce DP. J'aime beaucoup moi en tout cas.
Donc, on va regarder si ça colle. Ils sont pas faciles à présenter, ceux-là, parce que vu le format. Bah, écoutez, hein, ça colle vraiment très, très bien. Et nous allons regarder les impressions. Bah, écoutez, en tout cas, celui-ci, je vous laisse juger par vous-même. Hein. Les impressions sont vraiment nickel. Ouais, elles sont nickel, les impressions. Voilà. Donc, le toolkit de base, hein, barquette, stylet et colle. Nous allons passer au diamant. Oula, oui, donc c'est du noir. Hein, pour le fond, c'est du noir. Donc, enfin, pour les fonds. Au moins pour les arbres et je sais plus quoi. Donc, voilà. Je vous passe les couleurs. Un petit camel, un petit orangé ici. Donc là, vous avez différentes nuances de marron. Ici, c'est un blanc cassé. On va rentrer dans les rouges. Donc là, c'est un petit framboise. Hein. Vous le voyez bien rouge, mais c'est un petit framboise. Le violet. Voilà. Tout ça, c'est du rosin avec différentes... Alors vous, ici, vous le voyez jaune, bien jaune, mais non, il tire un peu plus vers le orange. Voilà, et là, c'est les noirs, hein. Donc certainement pour faire les ombrages. Hop, voici pour la première ribambelle. Comme vous le savez, il y a de la ribambelle chez Action, ce sont que des diamants ribambelle. Et voilà, voilà les couleurs. Donc, vous voyez, le petit rouge betterave, là, ici, que j'aime bien. Du marron. On se retrouve. Donc, vous voyez encore bien rouge, encore une fois. Mais non, il tire vraiment sur le rose un peu violacé. Ici, nous avons du violet. Voilà. Du violet, toujours. Donc, différentes teintes de violet. Hein, je vous avais dit, c'est un DP vraiment... avec beaucoup de violet, beaucoup de roses différents. Du rouge aussi. Ici, on a un petit marron gris un peu. Voilà, un peu de jaune. Bon, alors là, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ce sachet-là. C'est un marron ici aussi. On n'a pas beaucoup, hein. On retourne vers les rouges, les roses. Et voilà, vous avez vu... vous avez vu, donc... les diamants pour qui composent ce DP. Donc, de très jolies couleurs. Hein. Il y a vraiment de très, très beaux violets. Donc, bah, écoutez, je vais essayer de le ranger. Ou alors, je le rangerai après. Et je vais vous faire voir donc, le deuxième. Donc, le deuxième, ce sont les cascades. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, il y aura certainement beaucoup de vert, des oranges aussi, vu la couleur du DP. Vert, orange, peut-être un peu. Il y aura certainement du noir, du gris, je pense. Un peu de jaune aussi. Ouais, il va être magnifique aussi celui-ci. Il m'a bien plu. Les cascades, je les trouve vraiment très belles. Mais écoutez, on va regarder ça. Parce qu'il me semble bien que Roselyne en avait pris un. Et elle trouvait que les impressions n'étaient pas top. Donc, on va regarder ça. Pardon. Donc, hop, que j'arrive à l'ouvrir. Ah, nous, le temps, il est vraiment bizarre. On a des rayons de soleil, après il refait sombre, après il refait soleil. Je vais peut-être vous allumer un petit peu quand même. Bon, j'ai failli m'étouffer en direct. Donc, il y a les diamants. Voilà, qui étaient mis un peu en vrac comme pour l'autre DP.
Donc, on retrouve toujours pareil, hein, le toolkit de base stylet barquette école. Voilà, dans un sachet zippé. Et voici le DP. Donc, ici. Voilà. Donc, c'est la même dimension hein, que le premier, 75-25. Voilà, la petite fiche avec la petite photo, les diamants. Donc, 2, 8, 9, 10. Donc, 30 couleurs aussi pour celui-ci. Ils ont tous les deux le même nombre de couleurs, 30. Donc, il se prend dans ce sens-là. Hop, donc je vais vous le faire défiler comme ça. Donc, voilà, les arbres et tout, les chutes d'eau. Hop. Voilà. Bon, j'ai trouvé pas mal, mais il me paraît un peu plus pixelisé que l'autre. On verra bien au moment de faire le diamantage. Mais il me paraît, hein, bah là, de loin, on voit, ouais. De près, il fait très pixelisé quand même. De loin, on voit quand même mieux. Mais ce format de DP, j'aime bien, ça change un peu. Hein. Chez Action, ça change, c'est bien. Ils font toutes sortes de DP, c'est cool. Donc, au rayon enfant, j'y suis allée, hein, rayon loisirs créatifs enfants. Ils ont sorti des DP. Donc, ce sont avec les personnages de Disney, les princesses et tout. Tout en strass, mais il y avait Mickey. Donc, pour ceux qui aiment Mickey, allez-y, jetez un coup d'œil. Mais moi, je n'ai pas trop kiffé. Donc, j'ai pas pris. Mais écoutez, pas de problème de ce niveau-là. Ça colle super bien. Donc, nous allons regarder les impressions. Bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? Non, les impressions sont bien faites. Hein. Mais je pense que c'est un DP qu'il faut travailler. Si vous êtes comme moi, où il n'y a pas beaucoup de visibilité naturelle chez vous. Vous voyez, les couleurs les plus sombres quand on arrive ici. Peut-être, ouais, je pense que la tablette lumineuse me sera de grande utilité. Parce que moi, personnellement, chez moi, j'ai un appartement très, très sombre. Et puis, ça ne va pas aller en s'arrangeant. On n'arrive pas dans la bonne époque. Donc, voilà. Non, écoutez, l'impression est quand même... Non, c'est net hein, quand même. Alors, je sais pas, Roselyne, peut-être que toi, t'as pas eu de... T'es pas tombée sur le bon DP, mais écoute, moi, j'ai pas de problème d'impression. Hein. Comme ça, en tout cas, à vue d'œil, peut-être les S et les 2, peut-être. Peut-être que c'est toi, ça, qui te gênait. Mais bon, moi, ça me gêne pas. Donc, vraiment, je pense qu'il faudra prendre la tablette. Hein. Je pense qu'il faudrait vraiment l'utiliser. Donc, bah écoutez, on va regarder les diamants. Ouais, il y a du vert, il y a du gris, il y a du marron, il y a beaucoup de teintes comme ça. Donc, sachet ribambelle toujours. Allez, c'est parti, on va commencer par la plus petite. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un marron gris, hein. Un autre marron. Du vert, du bleu, un marron orangé un peu. Ensuite, tac, on va prendre comme ça. Donc là, nous avons du gris foncé, gris bleu un peu. Hein. Des marrons. Un gris clair. Un jaune très, très, très pâle. Du vert. Du orange. Du jaune, un autre vert, un rose pâle, du marron, toujours du blanc. C'est du blanc. Ah non, c'est un rose très pâle. Pardon. Voilà, on retourne dans les gris verts un peu. Là, c'est un bleu, ouais. Bah, dis-nous, excusez-moi.
un bleu, un marron. Voilà, on retourne dans les verts un peu. Des noirs. Donc là, des noirs, il y en a quand même beaucoup. Ici, c'est un bleu, bleu gris, mais très clair. Très, très clair. Dans le rose, un petit rosé orangé un peu. Le marron. Là, vous, vous le voyez marron, mais enfin, bon, c'est quand même gris, hein. Ou c'est un marron gris. Bon, je sais pas trop comment vous dire, moi. Il rend pas pareil, le diamant. Moi, comme je le vois, et vous, comme vous le voyez, c'est différent. Et voilà, un petit vert ici. Donc, voici les couleurs qui composent ce DP. Donc, allez-y, parce que nous... Enfin, moi, j'habite en Normandie. Je suis dans le département de l'Orne. Donc, ils doivent être sortis. Donc, si jamais c'est des DP qui vous intéressent, il y en a 4 modèles. Hein. Donc, moi, j'ai choisi le paysage africain et les cascades, mais il y en a 2 autres. Hein. Il y a le paysage marin et les chevaux. Eh bien, écoutez, voilà, ce petit unboxing action est terminé. Mais écoutez, moi, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Ouais, je vais mettre ça comme ça sans abîmer le DP. Ça serait bien. Voilà. Donc oui, je vous disais, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Et puis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Samedi, je ne suis pas là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tourner plusieurs vidéos et les mettre. Je vais essayer. Il y en a une, en tout cas, qui sera programmée. Donc, pour dimanche, pour le duo... Non, même plus maintenant. C'est plus un duo, c'est un trio. Un trio stylé marbré, donc avec Catherine de la chaîne Green Angel DP CCP, ainsi que Mel de la chaîne Mel DP et ses points de croix. Donc voilà, un petit trio stylé. Donc il y a une vidéo qui devra paraître dimanche. Donc je vais la tourner aujourd'hui, la programmer. J'ai encore une autre vidéo, unboxing là à vous tourner. Donc je vais essayer de vous les mettre un petit peu étalés sur le week-end. Parce que, bon, comme je vous disais, demain, je ne suis pas là. Nous allons au parc animalier à côté de la maison. Donc, en espérant que le temps soit plus clément qu'aujourd'hui. Enfin, même s'il ne fait pas beau, du moment qu'il ne pleut pas. Voilà, pour qu'on puisse aérer tout le monde, ça va faire du bien. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve. Donc là, je vais retourner une vidéo unboxing. Donc, par contre, qui sera en 2 parties parce que je n'ai pas encore tout reçu. Donc, vous ne verrez qu'une seule chose. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous, bon week-end, bisous bisous.